Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une ouverture de courrier. J'ai reçu deux courriers. Alors le premier courrier me vient de Fatia du 62. Alors j'avoue que c'est une surprise parce que je ne m'attendais pas à recevoir des courriers. Alors on va regarder ça. Alors donc là ça va être la carte. Donc, une petite enveloppe. Oh c'est trop gentil. Oh, c'est adorable. Alors, elles sont belles comme tout. Excusez-moi, je regarde un petit peu. Elle est belle comme tout. Alors, elle m'a fait une carte, donc inspiration Japon, avec une petite kokeshi. Je reconnais ça, c'est la découpe. C'est un die, une découpe de chez Action. Je l'ai aussi, celle-ci, elle est très très belle. Et elle a mis plein de petites fleurs, donc pour faire un effet fleur de cerisier japonais. Et elle a mis, donc là, elle a mis des demi-perles au niveau de la kokeshi. C'est les mêmes fleurs qu'elle a mises, mais là, donc, ce sont des fleurs et elle a fait. Je ne sais pas si ça. Je vois très très mal parce que j'ai la lumière et là, honnêtement, je n'ai pas beaucoup de visibilité. Enfin, voilà. Il est tard, il fait sombre en dehors de ça, donc j'espère que j'arrive à vous montrer correctement. Donc elle a mis du vernis pour faire le cœur de la fleur. C'est super gentil, c'est super mignon. Donc là, elle nous a mis également des petits papillons, qui est dans le même papier que là, sa kokeshi. Et donc là, été. Donc bon, malheureusement, on vient de quitter l'été, hein, il n'y a pas très très longtemps, mais on attend le prochain avec impatience. Non, il faut laisser le temps aux choses. Alors, j'aime beaucoup en plus la carte. Il y a un effet couture tout autour. Un double, comment dire, comme s'il y avait deux coutures. Ça fait super sympa. C'est très gentil et c'est très très beau. Merci beaucoup Fatia, c'est adorable. Alors, je vais lire son petit message et je vous retrouve juste après. Alors, j'ai lu ton petit mot, Fatia, c'est super gentil. Alors, je pense, a priori, si j'ai bien compris, hein, c'est qu'en fin de compte, c'était pour mon concours et donc elle avait eu du retard. Mais c'est super gentil, franchement, merci beaucoup, Fatia. Et donc, elle me dit qu'elle a fait une pochette, donc je pense que c'est ça, et qu'elle a pris sur la chaîne Scrap Nat Crea. Donc, on va voir ça. Alors, je vais vous montrer aussi. Donc, elle a mis également un petit carnet comme ça avec des sticky notes. C'est super gentil, franchement. C'est adorable. C'est adorable. Et donc, on va ouvrir. Forcément, j'arrache tout. Je suis une grosse brute. Voilà. Alors, arracher pour arracher, je vais y aller, hein. C'est trop mignon. Alors, j'ai déjà eu une pochette dans ce style. Je ne sais plus, mais ça me rappelle quelque chose. Alors, pas du tout dans ces couleurs, mais le format de pochette me rappelle quelque chose. Alors, voilà, elle m'a fait une très grande pochette. Ça fait un petit peu le format des enveloppes, comment dire, en longueur que l'on peut avoir. Once upon a time, la vie est belle. Bah oui. Avec un petit chat, un embellissement en bois. C'est un bouton carrément. Avec un petit chat, c'est trop mignon. Donc c'est fermé par un aimant. Et alors. Donc, ah non, donc j'ai pas eu ce genre de choses. Je dois. Non, ça me donnait l'impression. Alors c'est un petit peu. Bah c'est un album. Bah si, ça me rappelle vaguement quelque chose. C'est un album. Alors je sais pas si vous le voyez parce que là vous êtes un peu à l'envers. Mais c'est trop mignon. C'est adorable. Donc là, avec des espèces de Polaroid, et donc on peut glisser la photo dedans. Là, pareil. Je vais vous montrer. Donc là, il y a une petite pochette. Je vais l'ouvrir après. Alors là, il y a. Donc ça doit être les petites ATC. Alors, tu débordes de gentillesse avec une kokeshi, avec du vernis partout sur la découpe. Du vernis, donc du style glossy, glossy action, ce genre de choses. Un vernis, enfin on parle souvent glossy, mais il y a plein de vernis qui vont avoir ce même effet. Moi, j'ai pas de glossy, j'ai d'autres marques, mais voilà, ça donne ce genre de choses, c'est super gentil. Le thème, c'est la femme chinoise. Et elle a été faite le 15-08. Là. C'est trop gentil, Fatia. Merci beaucoup, c'est adorable. Et donc là, bah ça sent les vacances, hein, avec le phare, la mer. Et donc là, c'est le thème phare rouge sur le bord de la mer roche. Ouais, je pense.
Voilà. Et je vous dis, là j'ai du mal, il fait sombre, donc j'ai la lumière pour essayer de vous montrer au maximum, mais j'ai un petit peu de mal à voir les choses sinon là. Oh, il est sympa ce petit autocollant. Attendez, je vais vous le montrer quand même dans l'autre sens. Donc là, voilà, comme ça. Là, celui-ci avec le petit appareil photo, j'avoue que j'aime beaucoup. C'est super sympa. Et donc, hop, là, comme ça également. Ah oui, là, j'avais dit qu'il y avait une petite pochette. Alors, elle s'ouvre. Voilà. Alors, oh, elle m'a fait plein de, comment dire, de découpes, des petites découpes de fleurs. Et des tampons. Alors là, on a une encre marine. Là, ça va être un phare. Voilà, le phare, la glace. Oh, c'est trop gentil, hein. Le bateau. Il y a plein de petites choses comme ça. C'est très sympa. Donc là, l'encre avec la chaîne. Encore une encre marine. Ah, oh, c'est super sympa. Ils sont mignons comme tout, hein. Là, un petit nounours. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Des nuages. Donc là, un petit papillon. Donc là, qu'elle a mis en couleur avec des feutres à alcool, j'imagine. Là, très joli, hein. Très joli. Et donc, des petites fleurs, c'est adorable. Merci beaucoup, Fatia. C'est vraiment très, très gentil, hein. Il est beau, ce petit bateau, hein. Ah, c'est très sympa. Merci, c'est adorable. Ah oui, il ne faut pas que je perde les oiseaux non plus. Là, il y a des oiseaux. Je ne vous les ai pas montrés. Mais voilà, là, on a un oiseau. Et il y en avait un autre, mais qui est rentré déjà dans la pochette. C'est trop, trop mignon. Merci beaucoup, c'est adorable. Et donc là, j'ai perdu un nuage. Voilà. Hop. Et donc là, il y a à nouveau une pochette ici. Alors, With Love. Donc, qui est fermée avec un scratch. Oh là, il y a plein de découpes. Alors là, je ne vais pas toutes les sortir parce que sinon, je risque en plus d'en abîmer quelques-unes. Donc, je vais y aller. Je les sortirai après, mais doucement. Voilà, il y en a déjà qui s'abîment. Voilà, donc là, on a printemps. Donc, qui a été un petit peu plié. Je vais ranger ça. Alors, je ne vais pas les sortir parce que celle-ci, je vais la laisser dehors. Il y a des feuillages, j'adore. Il y a plein de choses. Il y a des tampons encore. Enfin, des tamponnages, visiblement. Je vais essayer d'en sortir un, mais après, je ne vais pas sortir plus parce que sinon, je vais abîmer quelque chose. Donc là, encore un petit nuage. Là, donc, je t'aime, mon chéri, c'est la vie, merci. Oh là là, bonjour. Plein de petits tamponnages comme ça, c'est trop gentil. Hein. C'est trop gentil. Hein. Une petite fleur. Là, une glace. Un lampadaire. Bon, les autres, je vous dis, je ne vais pas les sortir parce que là, sinon, je risque d'abîmer quelque chose. Là, c'est. Ah ben, on a on va voir toutes les saisons, j'imagine. Hiver, printemps. C'est trop gentil. Merci beaucoup, Fatia. Elle est chargée. Hein. Il y en a plein. Hein. Je sais pas. Je ne vais pas toutes vous les montrer comme je vous dis, mais vous voyez, c'est blindé. Hein. C'est adorable. Merci beaucoup. C'est super gentil. Hein. C'est super gentil. Et donc là, le papier tout sobre, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. C'est très, très gentil. Fatia, vraiment, un grand merci pour cet envoi. C'est vraiment adorable. C'est adorable. Alors, je vais passer à la deuxième lettre que j'ai reçue. Donc, c'est un envoi de Belgique. Alors, ma fille, quand elle a vu l'enveloppe, elle a craqué totalement. On a le petit chat Halloween, c'est super mignon. Et ça me vient de Sylvie, donc de Belgique. Alors. J'ai encore pas fait de carte d'Halloween cette année. C'est super mignon. Donc là, nous sommes dans le thème Halloween. J'avais un projet pour Halloween. J'espère que je vais avoir le temps de le faire. Alors là, ce sont donc des lettres en bois, des enamel dots. Alors j'aurais. Ouais, je sais pas. Je sais. Ouais, je sais pas avec quoi elles sont faites. Je ne sais pas. Enfin, voilà, elles sont bien, sont relativement bien. C'est comme une espèce de peinture ou un produit pour faire les enamel dots, mais des fois, c'est pas toujours très net. Là, elles sont belles. C'est super gentil. Donc là, avec la petite image, donc là, happy, non, joyeux Halloween. Là, celle-ci. C'est trop mignon les couleurs. Bah forcément, c'est sympa. Le papier de fond, il est très sympa avec les araignées. J'aime pas ces petites bestioles là, mais celles-ci, elles sont plutôt sympas dans l'ensemble. C'est trop gentil. Alors attendez, il y a le petit mot. Alors, je vais lire son petit mot et je vous retrouve. Alors, je viens de lire ton message. Franchement, c'est vraiment très très gentil. Ça me touche vraiment beaucoup. C'est adorable. Voilà, ça y est, je vais être gênée.
Non, c'est adorable. Je te remercie vraiment beaucoup pour cette carte, pour ce message, pour enfin voilà, pour tout. C'est adorable. Merci beaucoup. Alors, en plus, elle m'a fait une petite ATC. Ah, elle est vachement sympa. Alors, j'aime tout. J'aime à la fois le fond qui est. Enfin, je vais vous le montrer plus dans, enfin, dans l'autre sens, vous l'allez bien le voir. Il y a la petite sorcière, le chat, Happy Halloween. Elle est super belle. Au passage, tu as une très jolie écriture. Regardez ça. Elle est trop mignonne, j'adore. Elle est belle comme tout. Elle est belle comme tout. Et donc, c'est l'ATC. Ah, attendez, excusez-moi, j'ai vraiment du mal à voir. C'est l'ATC, jeter un sort. C'est la 3 sur 4. C'est super gentil. Elle a été faite le 4 octobre 2019. Vraiment, mais enfin, non, c'est adorable. Oh, enfin, non, c'est trop gentil. Je suis touchée. Je vous remercie vraiment toutes les deux. C'est adorable. C'est adorable. Et en plus, donc, comme ça ne suffisait pas, bien sûr, elle m'a envoyé une carte, mais elle m'a envoyé des die-cuts. Alors là, on a ça. Là, il y a un tampon, un tamponnage, pardon, une petite découpe. Là, il y a un tag. Oh, il y a plein, plein de choses. Alors, attendez, je ne sais pas où. Voilà. Il y a plusieurs tags. Thème un peu, enfin, un peu tous les thèmes. Tropique. J'aime beaucoup les feuillages. Hein. Vous le savez certainement si vous me suivez. J'aime beaucoup ce genre de choses. Un petit mouton. L'original. Donc, là, un petit mouton. Alors, là. Oh, poupée. C'est mignon, ça aussi. C'est des découpes. Tout ça, je n'ai pas. C'est super sympa. Donc, encore une petite. La petite bonne femme. Là. Alors là, il y a un mot, bah, je crois que c'est le même, ouais, poupée également. Ah, c'est sympa ça pour, ouais, c'est des mots que j'ai pas, donc c'est super gentil, merci beaucoup. Là encore, des cactus, ouais, elle est belle celle-ci, hein. J'aime bien. Là, des petits oiseaux, c'est super gentil. Donc là, une grande feuille. Alors, je sais pas à quoi ça sert à la base. J'aurais tendance à penser que c'est pour faire comment dire, des bannières, parce qu'elle est percée des deux côtés comme ça, un peu comme celle-ci aussi. Donc j'aurais tendance à penser que c'est pour faire des grandes bannières, des grandes guirlandes, mais après je ne sais pas. Donc là, une grande flèche, c'est super gentil, sérieux. Donc là, un morceau de papier, un rectangle. Ah ben là, c'est un peu on est un peu, on va arriver à Noël, hein. Donc là, ce sont des stickers. C'est super gentil. Franchement, c'est adorable. J'allais dire des stickers, pas des stickers, mais encore des die-cuts. Des die-cuts de fleurs. Un die-cut étoile licorne. Et donc là, un sticker. Et il est joli aussi celui-là. Il est joli. Je ne connais pas du tout cela. J'avoue que les stickers là, je ne les connais pas. C'est super gentil. Bah franchement, vous m'avez encore gâtée. C'est juste un truc de fou. Je vous remercie énormément. Ça me touche vraiment beaucoup. Et ouais, c'est. Enfin, voilà, je vous remercie énormément. Je vais arrêter parce qu'il faut que j'arrive à la mettre en ligne. Je voudrais arriver à la mettre en ligne ce soir parce que j'ai vraiment beaucoup de retard. Là, pour aujourd'hui, c'est un peu la cata de mon côté. Donc, je vais essayer de vous mettre ça très, très rapidement en ligne. Un énorme merci, Fatia. Un énorme merci, Sylvie. C'est vraiment adorable à toutes les deux. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!